Good Morning Business, commerce 2.0. Et je disais donc à Jean-Marc Daniel et Wilfried Galland, Anissa Sekai, vous avez trouvé Place Vendôme chez Courbet, une maison de joaillerie écologique qui accepte depuis peu le paiement par crypto-monnaie. Oui, absolument. Et c'est inédit dans le secteur de la joaillerie. Désormais, je peux payer ce collier en diamant avec des Bitcoin, avec de l'Ethereum, en bref avec de la crypto-monnaie grâce à ce terminal ultra design qui fonctionne comme un terminal de carte bancaire. Le président de Courbet va tout nous expliquer. Bonjour Manuel Malène. Alors, est-ce que vous avez gagné de nouveaux clients grâce au paiement par crypto-monnaie? Alors oui, c'est vrai qu'on a ce moyen de paiement depuis maintenant novembre. Et c'est vrai que des gens ont découvert la marque grâce aussi à ce moyen de paiement, en découvrant qu'on pouvait payer ici en Bitcoin, en Ethereum. Mais c'est vrai que chez nous, chez Courbet, quelque part, cet aspect technologique, on le recherche, il fait partie de la marque. C'est cette technologie qui nous a permis d'être écologique, puisque on crée des diamants en laboratoire, on utilise de l'or recyclé qui provient des téléphones portables, des ordinateurs. Donc avoir un moyen de paiement également très techno, ça faisait partie de la marque. C'est quoi le profil de vos clients? Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est essentiellement des millennials, plutôt des jeunes, parce qu'en plus, il y a cette rencontre entre l'écologie et la techno. Et ils viennent ici parce qu'il y a une occasion, c'est pas uniquement parce qu'ils peuvent payer en Ethereum ou en Bitcoin. Ils viennent ici parce que je pense qu'ils trouvent leur bonheur dans les produits que l'on propose. On dépense quoi comme somme en crypto-monnaie? On dépense, j'ai envie de dire, comme avec une carte bleue ou un virement. Il n'y a pas de différence là. On est entre 300 et 7000 euros à peu près. Est-ce que c'est vraiment légal, comment Anissa, ça fonctionne? Je fais comment pour payer mes diamants? C'est extrêmement simple, en fait. Vous allez pouvoir, avec ce terminal que vous montriez tout à l'heure, on va inscrire la somme en euros. Ensuite, on va choisir la monnaie de Bitcoin, Ethereum, etc. Ça va faire la transcription. Là, avec votre téléphone portable, votre wallet, vous allez scanner un QR code. Et le transfert va se faire de manière magique. Et une question. Avant de demander en plateau, est-ce que c'est vraiment légal? Parce que quand on parle de crypto-monnaie, on se demande aussi s'il n'y a pas des histoires de blanchiment d'argent. Est-ce que tout est parfaitement tracé? Tout est parfaitement tracé. Ça reste un moyen classique et traditionnel. Alors avant, les gens venaient avec des dollars. Peut-être ils viennent aujourd'hui avec de la crypto-monnaie, tout simplement. Merci beaucoup de nous avoir expliqué le fonctionnement du paiement par crypto-monnaie alors que le Bitcoin explose et qu'il a encore atteint des records hier. C'est passionnant. Alors Jean-Marc Daniel était plus circonspect. Il disait que c'est normalement c'est l'euro, hein, la devise officielle en France. Et normalement, on n'a pas le droit d'y déroger. On va creuser ça parce que je pense qu'il a pris ses précautions, ce chef d'entreprise. Merci beaucoup. Anissa Sekai avec Olivier Mélenchon chez Courbet. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Alain Madelin, il est cofondateur du Fonds Latour Capital. Christian Saint-Etienne, professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, qui a publié Le libéralisme stratège contre le chaos du monde chez Odile Jacob. Et Marc Toiti, économiste et président du cabinet AC Défi, dont le dernier ouvrage s'intitule Reset, quel nouveau monde pour demain? Après la pandémie, rien ne sera plus jamais comme avant. C'est hier, on diffusait un reportage très concret de Anissa Sekai, qui était dans les locaux du joaillier Courbet, place Vendôme. Et nous avions un responsable de cette maison de joaillerie, cette maison de luxe, qui indiquait que désormais, il acceptait de vendre des bijoux payés en bitcoin. Alors, moi, j'ai deux questions. Est-ce que c'est légal? Est-ce que vous considérez que ces crypto-monnaies sont des devises? On voit que BlackRock, là, vient de nommer un monsieur blockchain et que Larry Fink, visiblement, prend très au sérieux le poids croissant de ces crypto-monnaies. Que la BCE a lancé des travaux pour savoir si un jour, un crypto-euro, un euro numérique devrait voir le jour. Après ouvrir le chapitre de savoir si c'est l'antichambre de la disparition du cash. Marc, un bitcoin dont on a vu la volatilité toute récente à nouveau, quand on l'a vu à 22 000 dollars, on s'est dit non, il est à 30. Je me mets à la place d'un joaillier. Comment est-ce qu'on peut faire des affaires avec un produit qui normalement a un prix en utilisant une devise qui est capable d'une telle volatilité? Alors très vite, parce que c'est vrai que dès qu'on parle du bitcoin, on nous dit que c'est une religion. Ah ben c'est une religion. Ça, alors moi, quand je fais des chroniques sur bitcoin, alors là, il y a des insultes, il y a tout ça. Bon, non, c'est une religion. Il y a des sujets qui sont religieux. Moi, je pense que déjà, le bitcoin font partie des religions en économie. C'est pas du tout une religion, c'est-à-dire qu'il faut regarder aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a le blockchain, la technique, la technologie du blockchain qui est évidemment révolutionnaire. Et j'espère qu'un jour, on aura une crypto-monnaie banque centrale, officielle. Alors là, évidemment, il n'y aura pas de problème. Ce sera un autre sujet.
on va pas voilà. Mais là aujourd'hui, tout ce qui est Bitcoin, ou alors vous savez qu'il y a 1400 crypto-monnaies dans le monde, hein, c'est l'armée mexicaine. Donc il faut quand même rappeler ce que c'est, c'est-à-dire qu'on n'a aucun moyen de contrôle, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on sait très bien que c'est avant tout une plateforme de blanchiment d'argent, etc. Mais ce qui est dangereux, moi ce qui m'inquiète, c'est que là encore une fois, on retombe sur le rôle des États. Qu'attendent les États pour légiférer ? Enfin, parce que ça fait des années qu'on en parle. Surtout c'est ce travail de la BCE vers un euro numérique. Légiférer. On est sur un commerçant qui accepte ce mode de paiement pour des montants importants en plus. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que le Bitcoin, moi, quand on me demande des prévisions sur le Bitcoin, on ne peut pas en faire, parce qu'il n'y a rien derrière. Parce que je dis, ça peut monter à 35 000, est-ce que vous voulez ? Comme ça peut rebaisser à 4 000. C'est que de la spéculation. Comprenez ? En plus, on sait très bien que le nombre de Bitcoin est limité. Donc, de facto, c'est que de la spéculation. Donc, celui qui veut entrer là-dedans. Très bien. Moi, je pense que c'est le rôle d'un économiste aujourd'hui de dire, attention, on ne contrôle pas, on ne maîtrise pas. Et donc, c'est aussi le rôle des États de dire la même chose. Comme les États ne font rien, on continue d'aller de l'avant. Et c'est ça qui est dangereux. Mais maintenant, celui qui veut y aller, alors moi, je le laisse faire. Il y a un auditeur qui me dit, mais à partir dès que la transaction est enregistrée par Courbet, ils te convertissent immédiatement en euros, ce qui permet d'avoir une forme de temps réel entre le prix tant que c'est liquide. Tant que c'est liquide, peut-être qu'un jour, ça arrivera, ce ne sera pas liquide. C'est quand même bon. Alors, allez-y, Christian. On a 4 minutes. Hein. Oui, mais simplement pour dire que d'abord. Il s'appelle le Crypto Believer. Celui qui m'écrit, donc il a l'air d'être un peu spécialisé sur le sujet. D'abord, je voudrais dire que ce joaillier fait une superbe opération de publicité. Ah ben oui, du coup, on parle beaucoup de lui. Donc de on ce point pourra de citer vue, d'autres commerces qui acceptent. De ce point de vue, c'est une réussite. Alors, les crypto-monnaies, notamment liées à la blockchain, comme Marc l'a dit, il faut bien distinguer la blockchain qui est une technologie d'avenir et les crypto-monnaies qui est un système particulier. Mais les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies légales. Donc, en l'occurrence, vous disiez, est-ce que le joaillier en question peut ? Ben, c'est comme s'il était payé en or ou comme si on le payait en actions d'entreprise. Vous pouvez toujours accepter de vendre votre appartement en étant payé en actions d'entreprise. Il était chacun, sûr de lui sur la légalité, la question lui a été posée. Donc, chacun fait ce qu'il veut. La question centrale, c'est effectivement ce qu'il fait ensuite de ses crypto-monnaies. Soit il les garde comme actifs, soit il les transforme en cash et à ce moment-là en monnaie légale. Alors la question, l'autre point central, je ne le développe pas, c'est la question de la monnaie numérique de banque centrale. Je pense qu'il faut absolument accélérer. Ah, vous êtes pour la monnaie numérique de banque centrale. Mais qui n'est pas fondée sur la blockchain. C'est oui, juste j'entends. La monnaie numérique de banque centrale. Mais moi, je vous dis que c'est l'antichambre de la fin du cash. Voilà, mais là, absolument. C'est quand même une révolution astronomique. Mmh, hein. On a la modification du génome humain comme révolution du 21e siècle et la suppression du cash, par exemple. Je suis absolument d'accord. La question à ce moment-là étant comment on restructure le système bancaire dans la mesure où chacun de nous pourrait ouvrir un compte à la banque centrale. Alors, il y a deux choses qu'il faut bien distinguer. Hein. On peut avoir la monnaie numérique sans qu'elle soit obligatoire. Ce que vous évoquiez, c'est de la rendre obligatoire. Ce vers quoi les Chinois se dirigent, puisqu'ils veulent supprimer le cash pour encore plus contrôler leur population. À Stockholm, on vient de faire machine arrière un petit peu. Voilà, justement. Mais il y a un texte de loi qui impose quand même qu'on maintienne de la distribution de couronne suédoise à l'ensemble de la population, même si c'est pourtant le pays le plus avancé. On a 2 minutes 10 à la Madeleine. Un grand joaillier qui décide d'accepter des bitcoins, très probablement, comme le dit cet auditeur, pour les métamorphoser immédiatement en euros. Encore faut-il qu'il y ait un marché suffisamment liquide pour pouvoir trouver un acheteur qui permet d'avoir de l'euro ou du dollar ou je ne sais quelle devise souveraine. Le marché est relativement liquide en ce moment. Ça vous inspire quoi comme réel ? Il se trouve que je connais un petit peu le sujet. Je sais. Je travaille avec une entreprise qui mine du bitcoin. Je travaille avec une banque digitale. Je suis administrateur d'une entreprise qui fait des crypto-monnaies digitales. Je suis avec une entreprise qui transforme des liquidités pétrole en tokens, etc. Je connais un tout petit peu. Hein. Ouais. Vous avez le bitcoin lui-même qui flambe parce qu'il a été créé à un moment d'inflation. On avait peur de l'inflation. Donc on limite la création de Bitcoin à 21 millions. Donc ça fait une monnaie qui est en réalité une excellente protection contre l'inflation. Sauf que si le Bitcoin, tout le monde l'utilisait, ce serait une monnaie terriblement déflationniste. Oui, et s'il est terriblement déflationniste, ça signifie que si j'en achète maintenant, c'est terriblement spéculatif. Donc, en réalité, c'est un truc spéculatif. D'ailleurs, la part de Bitcoin libre sur le marché est relativement faible. C'est une monnaie qui est thésaurisée par des tas de gens qui en ont et qui les gardent tranquillement dans un coin de portefeuille. C'est une monnaie qui a
peu de chances de rivaliser avec une monnaie existante. Et donc, vous allez avoir par ailleurs des tas d'outils absolument formidables, dont on a cité la blockchain, mais il y en a bien d'autres, qui vont aller s'hybrider avec la finance de marché. Et puis, vous allez avoir ce qui est à l'ordre du jour, les monnaies digitales de banque centrale. Nos amis sont enthousiastes, les Chinois aussi, qui envoient un excellent moyen de encore contrôler un peu plus la société. On a fini là. La Fed qui voit le moyen, là encore, de contrôler un peu plus les choses et éventuellement de faire un revenu minimum parachuté, etc. etc. Bon. Donc, grande prudence devant les monnaies digitale de banque centrale. Pas de crypto-monnaie en vue concurrente des monnaies de banque centrale, mais des outils tirés des crypto-monnaies qui vont révolutionner la monnaie. Merci Alain Madelin. Vous avez fait réagir avec votre retour au monde chamanique par incapacité à faire fonctionner la démocratie libérale représentative. Bon, merci à tous d'avoir été là. Alain Madelin aujourd'hui, Christian Saint-Etienne, Marc Touati. On se retrouve demain à 9h.